Merci Seigneur. Au commencement était la parole. Tu étais près du Dieu très haut. Glorieux, la gloire cachée dans la création fut révélée en toi, Seigneur. Qu'il est bon le nom de Christ, qu'il est bon le nom de Christ, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Qu'il est bon le nom incomparable, qu'il est bon le nom de Christ, le nom de Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Tu ne voulus pas du ciel sans nous. Tu fis descendre ton règne ici-bas. Jésus, ton amour est plus grand que mon péché. Désormais, rien ne nous sépare. Le nom de Jésus, oh, tu es mon roi, merveilleux est ton nom, t'es incomparable, tu es merveilleux, le nom de Jésus, tu as ouvert nos yeux, nous pouvons voir ta merveille, mais le nom de Christ, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Le nom de Jésus. Il est mon roi. Christ, mon roi. Oh, merveilleux. Merveilleux est le nom. Incomparable tu es. Incomparable. Merveilleux. Merveilleux est le nom. Le nom de Jésus. Glorieux. Il est glorieux. Glorieux est le nom de Christ. Glorieux. Le nom de Jésus. Élève son nom, élève le nom de Jésus, élève le nom du roi des rois, élève le nom de la rose de Saron. Incomparable tu es Seigneur, tu as vaincu le tombeau pour nous, tu nous as arrachés des griffes de la mort, et désormais nous sommes libres Seigneur, et désormais nous sommes libres, et désormais nous sommes libres. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ton aiguillon? Nous sommes libres, libérés par le Christ Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour cela. Nous te louons et nous t'adorons. Nous ne sommes pas ici, Seigneur, juste parce que nous avons besoin de présence humaine, juste parce que nous avons besoin de réconfort. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Tu as vaincu la mort, déchiré le voile, désarmant la mort et le péché. Les cieux proclament ta louange, ta gloire. Ressuscité, tu es vivant. Tu es sans adversaire, tu es sans égard. Maintenant et à jamais tu règnes. À toi le règne. À toi la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Tout puissant est le nom de Christ, tout puissant est le nom de Christ, le nom de Jésus-Christ. Il est mon roi, tu es mon roi, tout puissant est le nom, incomparable il est.
le nom. Disons, consolation est son nom. Consolation est le nom de Christ. Consolation est le nom de Christ. Le nom de Jésus-Christ, notre roi. Consolation est le nom de Christ. Incomparable, incomparable, tu es. Consolation est le nom de Christ, le nom. Oh, il est ma restauration. Restauration est le nom de Christ. Restauration est le nom de Christ. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Restauration est le nom de Christ. Il est incomparable. Restauration est le nom de Christ. Le nom, il est glorieux, glorieux le nom de Christ, glorieux, glorieux le nom de Jésus. Tu es glorieux, tu es glorieux, glorieux le nom, incomparable tu es, oh glorieux le nom de Christ, merveilleux seulement avec nos voix. Merveilleux est le nom de Christ, le nom de Jésus-Christ. Mon roi, mon roi, merveilleux est le nom de Christ. Incomparable il est, merveilleux est le nom de Jésus. Qu'il est beau le nom, qu'il est beau le nom de Christ, qu'il est beau le nom de Christ. Le nom de Jésus-Christ, oh tu es mon roi, qu'il est beau le nom, incomparable il est, qu'il est beau le nom de Christ, le nom de Jésus. Notre adoration, Dieu, tu es grand, digne nos acclamations, Dieu, tu es grand, Dieu, tu es grand, de recevoir de mes lèvres des cris de joie, Seigneur, Dieu, tu es grand, élevé dans les cieux, Dieu, tu es grand. Ta grandeur est sans limite. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Le Dieu que nous adorons est grand. Il est grand. Dieu, tu es grand. Alléluia, tu es grand. Dieu, tu es grand. Tu es mon Seigneur. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Oh, disons-le, il est grand, il est grand, il est grand. Dieu, tu es grand. Alléluia, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Alors dis-le avec tes propres mots. Dis-le avec tes propres mots. C'est le Dieu redoutable et fort qui marche au-devant de toi. Il est le Dieu grand et puissant. Il est omniscient. Il est omnipotent. Rien ne le surprend. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il marche devant nous. Nous ne craignons rien. Nous marchons à ta suite, rocher des âges. Nous marchons à ta suite, Seigneur. De quoi aurions-nous peur? Nous progressons parce que tu progresses devant nous. Aucune épreuve que nous rencontrons ici-bas ne t'est étrangère. Nous nous appuyons sur tes victoires pour aller plus loin avec toi, Seigneur. Pour aller plus loin avec toi, Seigneur. Oh Jésus, tu règnes, et ton règne vient ici-bas à cause de ta bonté. Nous le vivons, nous le voyons. Ton règne vient ici, Seigneur, à cause de nous. Tu as bien voulu vivre en nous pour que nous puissions étendre ton règne ici-bas. Que ta volonté soit faite, Seigneur, ici-bas comme elle est faite dans les cieux. Que ta gloire resplendisse ici-bas comme elle est faite dans les cieux.
Jésus, nous sommes là pour toi. Seigneur, tu règnes, tu es grand, digne d'être loué, digne d'être adoré. Abba, tu règnes, Dieu, tu es grand, tu es digne d'être loué. Nous jetons nos couronnes à tes pieds. Tu règnes, Dieu, tu es grand. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Dans ce lieu tu règnes, dans cette église tu règnes, dans nos chants, dans nos expressions de louange, Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Seigneur, alléluia. Qui peut contester avec toi? Tu es le roi, tu te lèves, Seigneur, et tes ennemis se dispersent. Et nous nous inclinons devant toi, alléluia. Règne dans nos vies, règne dans nos vies. Nous nous inclinons devant toi, nous te posons à tes pieds, Seigneur, tout ce qui peut avoir plus de valeur que toi.
Ce culte, à toi ces moments, à toi nos cœurs, à toi nos pensées, à toi nos vies, à toi nos corps, à toi nos biens, à toi ce jour, à toi cette ville, à toi cette nation, à toi la terre, les cieux et la terre sont à toi. Car tu les as créés par ta parole. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous reconnaissons ta présence au milieu de nous. Nous honorons ta présence. Nous adorons ton Saint-Nom. Sois glorifié, Jésus. Sois glorifié. Ô Jésus, sois glorifié. Que Jésus seul soit glorifié. Que Jésus seul soit glorifié. Que Christ seul soit glorifié.
parle à nos cœurs, Saint-Esprit. Nous sommes prêts à t'écouter. Que ta parole nous donne la foi. La foi dont nous avons besoin pour triompher de ce monde. Au nom de Jésus-Christ, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. La force du nom de Jésus-Christ. Amen. La force du nom de Jésus-Christ. La force du nom de Jésus nous accorde trois choses. Premièrement, le nom de Jésus nous accorde le pardon de Dieu. Deuxièmement, le nom de Jésus manifeste la présence de Dieu. Et troisièmement, le nom de Jésus confère l'autorité de Dieu. Alléluia. Dites avec moi, le nom de Jésus nous accorde le pardon de Dieu. Le nom de Jésus manifeste la présence de Dieu. Le nom de Jésus confère l'autorité de Dieu. Jean 1, verset 29. Jean 1, verset 29. Une bonne déclaration de Jean-Baptiste. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi ? Qui ôte le péché du monde. » Jésus, l'agneau de Dieu, ôte le péché du monde. Il enlève le péché du monde. Alléluia. 1 Jean chapitre 2, verset 1. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Qui est-il? Jésus-Christ, le juste. Verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de quel nom? Et c'est lequel? Le nom de Jésus. Luc chapitre 5, verset 20 à 26. Luc 5, verset 20 à 26. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé ou le plus facile de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a ce pouvoir. Verset 25. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Verset 26. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Et ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Alléluia. Dans ce passage, Jésus prouve qu'il a le pouvoir de pardonner le péché. Comment? Il a prouvé en guérissant ce paralytique. Amen. Romains 6, verset 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 3, verset 23 dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et nous avons conclu dimanche dernier en disant que celui qui a autorité sur le péché a forcément autorité sur la mort, n'est-ce pas? Et il a forcément autorité sur toutes les causes de la mort, toutes les choses qui emmènent la mort.
Parce qu'avant le péché, il n'y avait pas de mort sur la terre. Et tous les moyens par lesquels la mort arrive est la conséquence du péché. Alors, que Jésus soit capable d'ôter le péché du monde, cela implique qu'il est capable d'ôter la mort du monde. Alléluia. Il a autorité sur la mort et il a autorité sur toutes les causes qui provoquent la mort. Amen. Ça peut être la maladie, ça peut être des accidents, ça peut être la malédiction. Quel que soit le moyen par lequel la mort veut atteindre, Jésus a autorité sur ça. Et la force de son nom est ce qui nous a été donné pour triompher du péché, de la mort et de toutes les causes qui provoquent la mort. C'est ça l'évangile. Alléluia. C'est ça l'évangile. Il suffit de proclamer le nom de Jésus. Il suffit de croire au nom de Jésus. De croire que le nom de Jésus a la force. Qui croit que le nom de Jésus apporte le pardon des péchés? Vous le croyez? D'accord. Alors, si le nom de Jésus accorde le pardon de péché, cela veut dire que le nom de Jésus a autorité sur le péché. Vous devez savoir que celui qui peut le plus peut le moins. Amen. Et c'est pour cela que, écoutons son langage, il dit, lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Si Jésus peut pardonner mon péché, il peut me guérir de toute maladie, de toute infirmité. Il peut me protéger de tout danger. Car s'il n'y avait pas eu le péché, la mort ne serait pas entrée sur la terre. Et si vous voulez chasser la mort, qu'est-ce qu'il faut chasser? Il faut chasser le péché. Et Jésus l'a déjà fait. Jésus ne l'a-t-il pas déjà fait dans ta vie? Et voilà. Mais nous nous limitons à la grâce du pardon des péchés. Nous devons aller jusqu'au bout de ce que cela implique. Est-ce que vous recevez ça ce matin? La force qui pardonne le péché est le besoin le plus profond de toute l'humanité. Seul Jésus a le secret pour enlever le péché là où il est entré. Toutes les conséquences du péché sont plus ou moins à la portée de l'homme par la science. L'homme combat la maladie et d'autres maladies plus graves apparaissent. Pourquoi? Parce que c'est comme si on ne voulait plus d'un arbre, mais on ne faisait que couper les branches. Et l'arbre ne cesse de repousser. Jésus est venu déraciner l'arbre du péché avec toutes ses branches et ses fruits. Et qu'est-ce qu'il fait? À la place, il plante la vie de Dieu en nous, dans l'esprit de l'homme. C'est ce que nous allons commencer le mercredi prochain. Le droit à la vie. Alléluia. Nous allons voir les implications de la vie éternelle. Parce que le bonheur, on ne s'arrêtera jamais. Donc, on va s'arrêter là. Jésus accorde le pardon de péché. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Amen. Amen. Si tu as besoin d'être pardonné d'un péché quelconque, appuie-toi sur le nom de Jésus. C'est la seule cause, le seul argument à présenter au Père pour obtenir sa miséricorde et sa grâce et son pardon. C'est le seul argument qui tienne. Il n'y en a pas deux. C'est le seul nom à présenter devant Dieu pour
pour obtenir le pardon. C'est le seul nom qui est la force contre le péché. Il n'y a pas deux noms. Il n'y en a qu'un seul, et c'est le nom de Jésus. Alléluia. C'est le nom de Jésus. Deuxièmement, le nom de Jésus manifeste la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Ce sont des choses très simples, mais qui sont fondamentales et très importantes. Notre foi doit être édifiée à un tel point où nous savons que quand je dis Jésus, Dieu se présente. Alléluia. Quand je dis Jésus, Dieu dit, tu m'as appelé? Je suis là. Parce que pour appeler quelqu'un, il faut connaître son nom. N'est-ce pas? Afin qu'il n'y ait pas de confusion ici. S'il y a sept Jean-Marc parmi nous ici, si on dit Jean-Marc, sept personnes vont dire, vous m'avez appelé. Alors il faut compléter par son nom de famille. Pourquoi est-ce que je dis ça? Matthieu chapitre 18, verset 20. Nous commençons par ça. Matthieu 18, verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux. C'est ça? Là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux. C'est ça? Quelle est la condition? Être assemblé en son nom. Se réunir en son nom. Si vous vous réunissez en son nom, cela implique quoi? Qu'il est présent. Alléluia. Alléluia. Donc, si nous voulons manifester la présence du Seigneur quelque part, il nous suffit de faire quoi? Il nous suffit de faire quoi? De nous assembler, de nous réunir, de nous accorder en son nom. En son nom. N'est-ce pas simple? Non, c'est pas simple. C'est tellement simple que l'on passe à côté. Tellement simple. Si vous allez quelque part et vous vous rendez compte de la présence effective de l'ennemi. Parce que les gens font des choses de manière visible pour marquer le milieu, cet endroit, de la présence d'un certain esprit. De la présence d'un certain démon. Vous avez déjà vu des gens, des endroits comme ça, où on fait des choses visibles pour dire que cet endroit appartient à tel ancêtre. Il y a même des moments où toute une ville ou tout un village fait des cérémonies officielles pour célébrer soi-disant les dieux de leurs ancêtres. Et si vous pensez que ces choses ne sont pas réelles et que vous assistez à ce spectacle, vous vous rendez compte des effets visibles, des influences invisibles. Donc, les gens savent attirer, manifester la présence de certaines personnalités spirituelles mauvaises. Ils sont conscients de ça. Ils savent que s'il fait telle formule, son idole va se manifester. Et ils en sont, ils sont sûrs de ça. Ils savent que s'ils font tel chant et qu'ils agitent telle statuette, leur idole va se manifester. Ils sont sûrs de ça. Ils sont sûrs. Et le Seigneur nous dit quelque chose dont il veut que nous soyons sûrs. De la même manière. De la même manière, si vous allez dans une ville, dans une maison, dans un endroit où vous voyez des phénomènes, des méthodes qui sont en train d'utiliser pour appeler la manifestation d'un certain esprit, appelle deux, trois frères. D'accord ? Trois déjà, ça suffit. D'accord ? Appelle deux ou trois frères. Dis, frère, tu as du temps ? Donne-moi 15 minutes.
Vous venez, vous vous asseyez et vous ouvrez Matthieu 18, 20. Dites, Seigneur, tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là. Seigneur, nous sommes assemblés en ton nom. Nous sommes assis ici en ton nom. Tu es là. À l'instant, leurs idoles ne répondront plus. Mais si vous êtes là et vous passez votre temps à dire, ah vraiment les gens, jusqu'au 21e siècle, ils sont encore en train de croire en ces choses. Oh vraiment les Africains, qu'est-ce qu'ils sont attardés. Vous n'allez rien changer. Est-ce que Jésus n'est pas en chaque chrétien? Oui. Mais ici, Jésus parle de sa présence manifeste. Comment? Simplement par l'accord. Deux ou trois s'accordent, il dit, nous sommes conscients que maintenant, là, nous ne sommes pas réunis autour de la Coupe du Monde. Nous ne sommes pas réunis autour du football. Nous ne sommes pas réunis autour de la bouffe. Ok? Nous ne sommes même pas réunis autour de la musique. Nous ne sommes même pas réunis autour de la louange. Savez-vous que les chrétiens peuvent être réunis et chanter Jésus sans être conscients qu'ils sont assemblés en son nom? Et ils chantent vraiment Jésus, mais ils ne pèsent pas dans l'atmosphère. Avant de chanter ou de faire quoi que ce soit que l'Esprit nous inspire, il faut commencer par être conscient. Seigneur, nous sommes réunis ici autour de toi. Tu es la seule raison qui explique notre présence. Tu es le seul intérêt de ce moment. Quand vous faites ça, et vous parlez, vous trois, et vous dites, nous sommes d'accord. Quand vous dites Amen, la présence du Seigneur remplit l'atmosphère. Parfois vous le sentirez, parfois vous ne le sentirez pas. Mais puisque c'est écrit, cela est établi. Et les gens autour de vous vont réaliser que quelqu'un d'important est présent. Le plus important est en ce lieu. Amen. Alléluia. Parce que nous sommes assemblés autour de son nom. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et quand on sait que Jésus est là, notre attitude change. N'est-ce pas? Qui peut être léger si Jésus est là? Et pourtant, il est là. Et quand on sait qu'il est là, nos inquiétudes disparaissent. La peur disparaît parce qu'il est tout puissant et il est au milieu de nous. Alléluia. Nous sommes ce matin assemblés au nom de Jésus. Et Jésus est là. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus est en ce lieu. Alléluia. Matthieu chapitre 28, verset 20. Nous passons en Matthieu 28, verset 20. Nous synthétisons des choses pour savoir utiliser la force du nom de Jésus. Jésus dit, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » Et il dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alléluia. Alléluia. Il ne dit pas, « Voici, je suis avec vous. » Il dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et voici. Ok? Philippiens 4, 19, « Et mon Dieu pourvoira. » Donc, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, c'est une conséquence de quelque chose. Et mon Dieu pourvoira. Alléluia. Et mon Dieu pourvoira. Et voici, je suis avec vous. Qu'est-ce qui fait que sa présence nous accompagne tous les jours jusqu'à la fin du monde? Qu'est-ce qui fait? C'est l'enseignement. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et
voici. Alléluia. Voici le premier pas qui est tellement simple. Le premier pas, c'est de se réunir et de s'assembler en son nom. Le deuxième pas, c'est de remplir cette association-là par l'enseignement de Christ. Marc 16, 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait quoi? La parole par les miracles qu'il accompagnait. Amen. Le Seigneur travaillait avec eux et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui accompagnaient qui? Les miracles accompagnaient qui? Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. C'est ça? Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Donc, ce n'est pas plusieurs. Donc, il ne s'agit même plus des apôtres. Ok? Il reste quelqu'un là. Le miracle accompagnait qui? Ou bien le Seigneur. Il y a deux choix, n'est-ce pas? Vous choisissez quoi? Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole qui prêchait par les miracles. Les miracles sont là pour accompagner la parole. La parole qu'on prêche. Les miracles ne sont pas là pour accompagner les prédicateurs, mais pour accompagner le message. Voici des choses très simples comme ça. Très simples. La première vérité simple, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ok? Quand on se réunit en étant conscient que nous sommes réunis surtout de nom de Jésus, notre foi et notre conscience en son nom manifestent sa présence simplement. D'accord? Mais là, le Seigneur est présent. Maintenant, comment faire pour que le Seigneur, en plus d'être présent, pour qu'il soit agissant? Ok? Pour que le Seigneur qui est présent soit agissant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le message. Il faut proclamer sa parole. Amen. Amen. Proclamer sa parole, tout simplement. Et le Seigneur accompagne sa parole par des miracles. Quelle parole? Actes chapitre 4, versets 1 à 2. C'est là où l'intérêt du message devient important. Actes chapitre 4, versets 1 à 2. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus, la résurrection des morts. Voici leur message. Leur message parlait d'une personne qui est ressuscitée. Et c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Verset 7, 7 à 12. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés au sujet
aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ que c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être. Aucun autre nom. Le message s'articulait toujours autour du nom de Jésus. Alléluia. Et c'est très important, ce n'est pas négligeable. Verset 18 à 20. 18 à 20. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner quoi? Au nom de Jésus. Dites tout ce que vous voulez, mais n'enseignez pas au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez. S'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Chapitre 5, à partir du verset 28e. Acte 5, 28. Ne vous avons pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Jérusalem était remplie de quel enseignement? Jérusalem était remplie de quel enseignement? De l'enseignement du nom de Jésus. Et c'est cet enseignement qui provoque les miracles. Tout simplement. Vous croyez ça? C'est ça qui provoque des miracles. Amen. Le secret de ce nom. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 9. Le secret de ce nom. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de... afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est à la gloire de Dieu, le Père. Le secret de ce nom, c'est que le nom de Jésus est le nom qui a été souverainement élevé. Amen. Il n'y a aucun nom au-dessus du nom de Jésus. Vous voyez, vous êtes en train de penser, oui, je le sais depuis longtemps. C'est ça que tu penses, non? Il dit, oui, je le sais depuis les Codim. Tu le sais, tu es sûr? Tu es sûr? Le Seigneur veut que je te rappelle qu'au-dessus de son nom, il n'y a aucun autre nom. Et que à la mention de son nom, tout genou fléchit. Ça commence où? Ça commence où? Dans les cieux. Quand on dit Jésus, les anges et tous les saints qui sont dans la gloire se prosternent. Et quand on dit Jésus sous la terre, toutes les puissances inférieures se prosternent. Et quand on dit Jésus sous la terre, qu'est-ce qui doit se passer? Tout
genou se prosterne, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Là, tu es en train de déjà de penser à une situation face à laquelle tu as appelé le nom de Jésus et la situation n'a pas changé, c'est ça? Est-ce qu'on peut changer Philippiens 2:10? Il ne dit pas qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Non, non, non. Tout genou fléchisse. Afin que tout genou fléchisse. C'est quelque chose d'actif à la mention de ce nom. Continuons. Colossiens chapitre 2 verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Voici l'argument qui fait qu'aucune puissance ne peut résister au nom de Jésus. Aucune puissance. Parce que Philippiens 2 que nous avons lu parle de l'humiliation de Jésus jusqu'à la mort, à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Souverainement élevé. Donc, quand tu proclames le nom de Jésus et que tu n'as pas confiance en l'œuvre achevée de la croix, le démon va résister. La montagne va résister. Le problème va résister. Pourquoi ? Pas parce que le nom de Jésus est faible, mais parce que tu n'invoques pas ce nom avec foi. Vous m'entendez? Or, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Et c'est cette parole qui est annoncée par ses messagers. Voici comment nous progressons. Deux ou trois chrétiens sont assemblés autour de son nom. Jésus est présent. Alléluia. Jésus est présent. Maintenant, nous voulons emmener Jésus à faire des miracles. Je parle d'ici et d'aujourd'hui. Vous voyez, tu es venu au culte en te disant, je vais entendre la parole. Peut-être dans 23 ans, ça va commencer à marcher. Non, 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 non. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. Moi, je suis venu pour ça. C'est parce qu'on se parle de saisie de montagne, d'accord? Tu dois saisir ta montagne aujourd'hui. Donc, première chose, Jésus doit être au milieu de nous. Comment est-ce qu'on manifeste sa présence? Par la conscience que ce n'est pas la musique qui nous réunit. Ce n'est pas TPV qui nous réunit. Ce n'est pas Pasteur Doudou qui nous réunit. C'est le nom de Jésus qui nous réunit ce matin. C'est le nom. Ce n'est même pas le dimanche qui nous réunit. Parce qu'on se retrouve ici parce que c'est dimanche ou c'est mercredi. Non, non, non. On enlève le dimanche du milieu de nous. Et on met Jésus. Il est la raison de notre assemblée ce matin. On harmonise ça. Et vous savez, pendant le culte, de temps en temps, il faut se reconnecter. Redémarrer, te dire, hey, je suis là pour Jésus. Je suis là pour Jésus. Oui, je suis content de voir mon frère. Je suis content de voir ma soeur. Mais ce n'est pas pour elle que je suis venu. Ce n'est pas pour lui que je suis venu. Parce qu'il y a d'autres moyens de se voir. Non, l'église n'est pas un lieu de rencontre. C'est un lieu de communion. Amen. Avec le nom de Jésus. Amen. Si je t'aime beaucoup et que j'aime ta présence, mais je peux aller te voir chez toi. Mais s'il vous plaît, redonnez au culte son vrai sens et son unique sens. Nous sommes ici autour du nom de Jésus. Nous sommes ici autour du nom de Jésus. Nous sommes ici autour du nom de Jésus. Et parce que nous sommes autour de son nom, sa présence est là. Elle devient manifeste. Il dit oui, merci. Vous avez déjà senti sa présence, n'est-ce pas?
Alors nous voulons amener ce Jésus qui est présent à faire des miracles. Nous voulons le pousser à agir. Nous voulons le pousser à se lever de son trône et accomplir ce que l'homme ne peut pas faire. Est-ce que vous voulez ça? Est-ce que vous voulez ça? Est-ce que vous voulez ça? Alors Jésus dit, je suis assujetti à l'enseignement. Doudou, fais attention à ce que tu vas dire aujourd'hui. Parce que ta foi peut limiter ou propulser ce peuple. Dis-leur qui je suis. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Où est-ce que je me trouve? Dis-leur quelle est la gloire du nom que je porte. Dis-leur ce que je représente. Afin que quand ils vont commencer à chanter ce nom, qu'ils soient conscients qu'à la croix il avait déjà écrasé Satan. Qu'ils soient conscients que par ses meurtrissures nous avons déjà été guéris. Qu'ils soient conscients qu'il a été fait péché. Afin que par lui nous devenions la justice de Dieu. C'est l'enseignement qui va m'emmener, qui va produire la foi dans ce peuple. Afin que quand ce peuple va répondre à la parole et qu'il va proclamer mon nom, ce genou-là va fléchir. Le genou de la malédiction fléchit ce matin. Le genou de la maladie fléchit ce matin. Le genou du célibat fléchit ce matin. Le genou du chômage fléchit ce matin. Au nom de Jésus, toutes les œuvres de Satan, expliquez-moi comment ces œuvres peuvent tenir si Satan lui-même a été écrasé. Et sa puissance commence à accompagner le message. Et sa puissance commence à accompagner le message. Et sa puissance commence à accompagner ce message. Et il confirme sa parole par les miracles qui l'accompagnent. Reçois ton miracle maintenant. Au nom du Jésus Tout-Puissant. Au nom du souverain nom qui a été élevé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je déclare maintenant qu'en ce lieu, aucun nom ne peut résister. Aucun nom ne peut résister. Au nom de Jésus, aucun nom ne peut résister. Au nom de Jésus, aucun nom ne peut résister. Au nom de Jésus. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Ordonne à cette montagne de se déplacer. Reçois-le maintenant. Saisis cette montagne maintenant. Parce que tu viens avec le nom qui est au-dessus de tout nom. Que tu viens avec le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchi. Tout genou fléchi. Toute adversité est vaincue. Toute adversité est vaincue maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Seigneur, libère la force de ton nom. Libère la puissance de ton nom. Libère la puissance de ton nom. Libère la force de ton nom maintenant. Au nom de Jésus. Les anges sont à genoux dans les cieux et ils sont en train de célébrer. Les saints dans les cieux sont à genoux et ils sont en train de célébrer le Seigneur. Sous la terre, les puissances inférieures ne peuvent rien faire. Elles sont en train de lâcher prise maintenant. Elles sont en train de lâcher prise maintenant. Les puissances inférieures sont en train de lâcher prise maintenant. Et toi sur la terre, prononce avec foi ce nom. Prononce avec foi ce nom. Ce nom. Prononce avec foi ce nom. Et les racines, je le vois déraciner ce problème. Je le vois déraciner parce que ta voix sur la terre affecte les lieux souterrains. Ta voix sur la terre affecte les lieux souterrains. Ta voix sur la terre. Oh Shakabante Rabo Santarada. Ikabo Branta Kadera Shete. Ente Kabo Rata Sakabante. Iramante Rabo Santa. Seigneur, ce problème a trop duré. Ce problème a trop duré.
célébrer. Je fais entrer Jésus dans la scène maintenant. Je fais entrer Jésus dans la scène. Je mets Jésus dans ta famille. Je mets Jésus dans ta maison. Je mets Jésus dans tes études. Je mets Jésus dans ton histoire. Maintenant, Christ entre maintenant. Jésus se lève de son trône. Il se lève maintenant. Et il vient parce que je l'appelle. Il vient parce que je l'appelle. Viens Jésus, lève-toi de ton trône. Manifeste ta puissance. Manifeste ton autorité. Libère ton pouvoir. Yassante Kabara, je consume ce problème dans ses racines maintenant. Dans ses racines, je consume dans ses racines. Je rappelle à Satan sa défaite. Je rappelle aux démons leur défaite. Je rappelle à la maladie sa défaite. Je rappelle au péché sa défaite. Je rappelle à la mort elle-même sa défaite. Oh Jésus, entre sur la scène. Entre sur la scène, Jésus. Entre sur la scène. Saisis-toi de ta montagne. Saisis-toi de cette montagne. Tu ne sortiras pas d'ici les mains vides. Oh non, non. Nous avons dit que c'est la saison des saisies des montagnes. Un miracle se passe aujourd'hui. Un miracle se passe aujourd'hui. Quelque chose d'extraordinaire. Reçois-le maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus est ici. Et il est à l'œuvre. Il est actif. Il est puissant. Il est tout puissant. Il est agissant. Il est incomparable. Il est irrésistible. Il est redoutable. Il est tout puissant. Il s'est levé pour toi. Il s'est levé pour moi. Il s'est levé pour moi. Il s'est levé pour moi. Oh Seigneur, mes ennemis sont nombreux. Mes ennemis sont nombreux. Mais je n'ai pas peur. Car le plus fort est avec moi. Je n'ai pas peur. Car le plus fort est avec moi. Avec ton nom, je franchis la muraille. Avec ton nom, je me précipite sur une troupe en armes. Avec ton nom, je me lève et je fonce. Je ne bats pas retraite. Non, j'avance. Mais je ne recule pas. Je ne recule pas. Car tu marches devant moi. Tu marches devant moi. Tu es le Tout-Puissant. Démontre à l'Église que tu es le Tout-Puissant. Libère ta puissance infiniment grande, la même qui t'a ramené de la mort à la vie. Je libère au nom de Jésus la puissance extrême, la puissance de la résurrection. Je la libère maintenant au nom de Jésus. Je libère la puissance extrême, la puissance extrême, la puissance extrême est relâchée maintenant. Elle est relâchée en ta faveur. 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 Elle est relâchée en ma faveur. Elle est relâchée en ma faveur. Elle est relâchée en notre faveur. Oh gloire à ton Saint-Nom. Oh gloire au nom de Jésus. 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 Gloire. Gloire. Gloire au nom de Jésus. Koracinte Braya. Keremanto Ratashka Baraga. Ne passe pas à côté de ce temps de grâce. Ne passe pas à côté de ce temps de grâce. Shiranto Kabara Santerede. Rikabonta Reba Shade. Dekeremes Kantora Bababa. Il y a la panique dans le camp de l'ennemi. Il y a la panique dans le camp de l'ennemi. L'ennemi est désorganisé maintenant. L'ennemi est désorganisé. Il est désorganisé. Il est désorganisé maintenant. Au nom de Jésus, l'ennemi est désorganisé maintenant. Au nom de Jésus, il est désorganisé, il est désemparé, parce que nous appelons le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom, pas n'importe quel nom, ce n'est pas n'importe quel nom. Ce n'est pas n'importe quel nom. Ce n'est pas n'importe quel nom. Oh
chatebra, ikabo saradai, zegentaman torogoya, zabrayante terede, grimayo saradata, shekoramandarada, irrebo senterede, ragontabi sarabante, rekabo bababa, sheterede gente, wikami rabo saradaita, mentebrados kerenta, rekabababababa. La confusion dans le camp de l'ennemi. La confusion dans le camp de l'ennemi. La confusion dans le camp de l'ennemi. La honte dans le camp de l'ennemi. La honte dans le camp de l'ennemi. La honte dans le camp de l'ennemi. La confusion dans le camp de l'ennemi. La gloire revient à Jésus. La gloire revient à Jésus. La gloire revient à Jésus. Oh Chatalande. Brekabo Sintarada. Yekeba Rasantereba. Oh, Yakaba Baba. Oh, Sendoro Banteragai. Kirabo Shataradai. Gela Mama Mama Mama. Oh. Ton Seigneur se lève pour toi. Ton Seigneur se lève pour toi ce matin. Ton Seigneur défend ta cause. Il se lève pour ta cause. Il se lève pour ta cause. Il s'est levé pour ta cause. Il s'est levé pour ta cause. Jésus est debout à la droite du Père pour la cause de son Église. Jésus est debout à la droite du Père pour la cause de chacun de ses enfants. Il relâche l'esprit de faveur. Il relâche l'esprit de faveur maintenant. Le combat est fini. Maintenant, c'est un temps de faveur. Il relâche l'esprit de faveur. Il relâche l'esprit de faveur. Il relâche l'esprit de faveur. Il met devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Une porte ouverte. Oh, il n'y a plus de combat. C'est un temps de faveur maintenant. C'est un temps de faveur. C'est un temps de faveur. Il n'y a plus de combat. C'est un temps de faveur. C'est un temps de faveur. Il relâche sa faveur. Il relâche sa faveur. Oh, merci Jésus. Je reçois ta faveur. Je reçois ta faveur. Je reçois ce que je ne mérite pas. Je reçois de toi. Je reçois de ta main. Je reçois du ciel. La rosée du ciel descend sur l'église. La rosée du ciel descend sur l'église. Le salut du ciel pleut sur l'église. Le salut du ciel pleut sur l'église. Arrose l'église. Arrose maintenant. Koshataba. Ikaba koshata. Yebranto korabase. Yekarababa. Yantora de Senteregai. Prophétise maintenant. Prophétise toi-même maintenant. Prophétise. Prophétise maintenant. Prophétise maintenant. Prophétise. Parle avec Dieu. Parle comme Dieu. Parle en accord avec lui. Parle en harmonie avec lui. Parle à cette montagne. Prophétise maintenant. Dans ce temps de faveur. Prophétise. Dans ce temps de faveur. Prophétise maintenant. O Sharaba, Girababa, Shatere de Casa, O Paradada, Necrantoco Sherebe, Zirantoco Boranta, Zereba Yantaradagi, Ibrababa, Yosekenterede, Racontabara, Senderede, Ribadaba, Boschete, Rekentamana, Goramante, Zerenta Cabane, Rubiakisada, Yesanaragaya, Rakadabaya, Rakadada, Meshetereda, Rokontobade, Ribabo, Yesentereda, Dara Climonta Keredasha, Yesekantorodo, Rika Barababa, Yentereda Goya, Rakabonterede, Shendereba. Oh, ah. 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 Oh, ah. Barashaya kama, Tarakota barasa, Teletaya kansa, Teletaya tarata, Tarabaya tarata, Teletaya taraka, Rakante rabasha, Ekade saradoka, Yakande tarabaya, Rakade boshete. Mm.
Ushataraba. Shata Baragante. Roto Sagada. Bente Bragada. Sadoroko Tata. Baradata Taratakanda. Betereda Dagata Barakonda. Tarabantara Dagente. Terekanto Badarakasha. Zeterega Bakonto. Dirakante Badabraya. Korade Baskante de. Dereganto Barababa. Chandelele. 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 Yatako. Banterele. Uradada di Saraka, Antete, Deregas Conto Torabai, Balada Kaitabo Shataro, Nekente Badaram, Kosadi Brantemente, Dorogaste Kente, Dereako. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus. Afin que l'on sache. Que tu es le Seigneur des Seigneurs. Afin que l'on sache que tu es le roi des rois. Afin que l'on sache que nous avons le pouvoir des enfants de Dieu. Afin que l'on sache que tu as vaincu Satan. Afin que l'on sache que tu as triomphé du monde. Afin que l'on sache que nous t'appartenons, afin que l'on sache que nous sommes tes serviteurs, afin que l'on sache que ta parole est la vérité, afin que l'on sache que nous avons ta parole, afin que l'on sache que tu es en ce lieu, afin que l'on sache que tu es avec nous, afin qu'on le sache, afin qu'on le sache. Afin qu'on le sache. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. 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 Je crois au miracle. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Jésus est ici. Il est ici pour toi spécialement. Il est ici pour toi spécialement. Il est ici pour toi spécialement. Il a un cadeau spécial pour toi. Il a un cadeau spécial pour chacun. Tellement il est bon. Tellement il est généreux. Tellement il t'aime. Tellement il t'aime. Il parle en ta faveur. Il est ton avocat auprès du Père. Il est ton avocat auprès du Père. Peux-tu imaginer? Peux-tu imaginer? Peux-tu imaginer combien il t'aime? Ah, quelques anciens montants, ils ont besoin. Peux-tu imaginer combien Jésus nous aime? Sa puissance est partout. Sa puissance est en ce lieu. C'est la gloire attachée à ce nom. Tu imagines, peux-tu imaginer celui qui te défend devant le Père lui-même? Ne peut-il pas te défendre devant les hommes? Est-il difficile pour lui de te défendre devant les hommes? Est-il difficile pour lui de te défendre dans cette situation? Qu'est-ce qui est plus facile pour lui? Vous savez quoi? Maintenant même, Jésus lui-même est en train de parler à tes montagnes pour toi. Lui-même, il est en train de parler à tes montagnes. Lui-même, il est en train de prendre possession de ce qui t'appartient. Et il dit, mon enfant, fais-moi confiance. Reçois ce que je te donne.
Reçois ce que je te donne. Reçois ce que je te donne. Reçois ce que je te donne. Reçois. Reçois. Reçois-le par le Saint-Esprit. Utilise maintenant la force de la foi. Utilise maintenant la force de ta foi. Utilise la force de ta foi et la force de la vision. Utilise maintenant la force de la foi et la force de la vision. Utilise maintenant la force de la foi et la force de la vision. Il te montre ce qu'il est en train de faire. Il te montre ce qu'il est en train de faire. Afin que tu crois, que tu crois, que tu crois. Le pays que tu vois, il te le donne en possession. Le pays que tu vois, il te le donne en possession. Utilise maintenant la force de la foi. Utilise maintenant la force de la vision. Ouvre les yeux, Seigneur. Au nom de Jésus, j'appelle en ce lieu le don de foi. Le don de foi et les visions divines par le Saint-Esprit. J'appelle maintenant en ce lieu le don de foi et les visions divines par le Saint-Esprit. Recevez-moi. 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 Oh le nom de Jésus. Oh le nom de Jésus. Je le vois en train de poser sa main sur des gens. Il est en train de poser sa main. Il est en train de poser sa main. Il est en train de mettre sa main. Il est en train de poser sa main. Il est en train de poser sa main. Oh, il est en train de poser sa main. Il est en train de poser sa main. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Touche-nous encore. Touche-nous encore. Touche-nous encore. Touche-nous encore. Touche. Touche-nous encore. Touche-nous encore, Seigneur. Oh, touche. Oh, touche. Là où il y a ce mal, touche. Là où il y a ce besoin, touche. Précisément là où il y a ce besoin. Précisément, précisément. 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 Touche. Oh. Merci. Oh Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Adore-le, adore-le. Adore-le. Adore Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Oh voilà. Oh nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne de l'amour. Tu es digne d'adoration. Tu es digne de gloire. Tu es digne.
Nous allons terminer en faisant quelques proclamations de foi. On se lève ensemble et on va faire ces proclamations. Je veux m'inspirer sur Deutéronome 28, où il y a des bénédictions et des malédictions. Mais Christ a été fait malédiction à notre place. Christ a obtenu toutes ces choses à notre place. Et en Christ, nous avons déjà reçu toutes ces choses. Alors nous allons les confesser par la foi, comme un moyen spirituel d'en prendre possession. Amen. Dites avec moi, Père, au nom de Jésus, je déclare par la foi que je suis béni dans la ville. Je suis béni dans la ville et dans le champ. Et dans le champ. Je suis béni dans ma maison. Je suis béni dans ma maison. Et dans toutes mes activités. Et dans toutes mes activités. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je déclare que le fruit de mes entrailles est béni. Que le fruit de mon travail est béni. Que le fruit de mon travail est béni. Que le fruit de mes efforts est béni. Je chasse loin de moi toute stérilité, toute improductivité. Au nom de Jésus, je suis fécond. Je me multiplie. Je déborde. Je domine. J'assujettis. Je règne pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus. Mes réserves sont bénies. Mes revenus sont bénis. Je ne perdrai aucun centime que le Seigneur me donne. Au nom de Jésus, je reçois la sagesse pour en faire un bon usage. Chaque semence portera beaucoup de fruits. Chaque investissement, chaque offrande, chaque acte d'hospitalité,
hospitalité me reviendra, une moisson abondante. Au nom de Jésus, je suis béni le matin. Je suis béni le soir. Je suis béni la nuit. Je suis béni quand je me lève. Je suis béni quand je pars. Je suis béni quand je reviens. Je suis béni quand je me couche. Au nom de Jésus, j'ordonne maintenant la victoire. J'ordonne la victoire de m'accompagner dans toute adversité, dans tout combat, dans toute bataille. J'ordonne à la défaite, j'ordonne à l'échec de se tenir loin de moi. Chaque ennemi qui viendra vers moi par un seul chemin s'enfuira devant moi par sept chemins. Au nom de Jésus, j'ordonne à la bénédiction d'être avec moi. Je dis à la bénédiction, ma vie est ton adresse, ma maison est ta maison, mon travail est ta demeure. J'ordonne à la bénédiction, au nom de Jésus, de s'attacher à moi dans tout ce que je suis et dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus, je déclare que ce que les hommes poursuivent, je ne les poursuivrai pas. Au nom de Jésus, ces choses me poursuivront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, nous sommes un peuple saint. Nous représentons notre Père. Nous sommes sa gloire. Nous faisons sa fierté. Nous sommes distingués parmi toutes les nations. Nous sommes distingués parmi toutes les nations. Nous sommes distingués dans cette ville. Nous sommes distingués dans chaque quartier où nous nous trouvons. Je suis distingué. Où que je sois, où que j'aille, je suis distingué. Parce que je suis excellent. Je ne serai jamais la queue. Toujours la tête. Parce que je suis attaché à Jésus-Christ. Celui qui est souverainement élevé. Celui qui est au-dessus de tout. Il m'attire toujours vers le haut. Il m'attire toujours vers le haut. Il m'attire vers ce qui est excellent. Il m'attire vers ce qui est parfait. Au nom de Jésus. Merci Père. Rendons-lui grâce.